Bonjour à toutes et à tous, c'est Andjay Killer, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 2000 abonnés. Donc déjà, avant toute chose, un grand big up et merci à vous les gars. Franchement voilà, on a atteint, j'ai pas envie de dire enfin parce que ça allait assez vite, le seuil des 2000 abonnés. Donc les gars, franchement merci beaucoup. Je ne sais même pas quoi vous dire, franchement je vais dire un peu comme la majorité des youtubeurs, hein. Je pensais vraiment pas un jour arriver à 2000 abonnés, c'est juste énorme. Du coup, pour cet honneur, pour fêter ça, je vais ouvrir, j'ai regardé, j'ai des points FIFA, j'ai 2825 points FIFA. Il y a en plus l'Happy Hour, ou l'Happy Hour, je sais pas, ouais, enfin bref, avec des packs, avec des joueurs, que des joueurs. Du coup, on va ouvrir des packs comme ça. Et donc, avec les joueurs que je vais avoir dans la partie 1 de mes vidéos spéciales 2000 abonnés, et ben... je vais faire un match avec que les joueurs que j'aurai dans les packs. Donc, à l'heure où je vous parle, on est dimanche, là où il y a l'équipe de la semaine avec Cristiano Ronaldo. Donc, on va voir l'équipe ensemble. Donc, c'est une très très belle équipe de la semaine, les gars. Franchement, il n'y a rien à dire. J'aimerais bien forcément Muriel, Ronaldo. Enfin, j'aimerais bien même un seul joueur boost, les gars. N'importe lequel, j'aimerais bien. Je pense que, comme tout le monde, on aimerait bien trouver un joueur boost. Donc voilà, on va commencer à ouvrir des packs. Je regarde juste bien si ça enregistre. Nickel, tout va bien. Donc les gars, par contre, il y aura peut-être un léger décalage entre la voix et le jeu, mais j'espère pas. Ou du moins, j'espère pas, ouais. Non, j'espère pas. Donc on va ouvrir les packs, les gars. J'ai créé une équipe, donc on va mettre les joueurs intéressants dedans. Et puis bon, ben, on va pouvoir parler pendant ces, je sais pas, une vingtaine de minutes, je pense. On va voir comment ça se passe. Donc, en pack, on a ces packs-là. Donc 25 000 crédits, alors c'est que des joueurs, et il y en a 3 or. Donc il y a, enfin, 3 or rares, et sinon c'est que des joueurs, la plupart or. Donc bah, écoutez les gars, on va tester. 350 points FIFA, allez les gars, c'est parti. Il nous faut du lourd pour les 2000 abonnés. J'espère que FIFA va me dire un petit bravo en me donnant des bons joueurs, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis malchanceux au niveau des packs. Bon là on va voir les gars, allez, c'est parti. Ah, j'ai fail. Allez les gars, c'est parti, on bourrine le bouton A. Luis Fabiano. Bon les gars, c'est pas top. Allez, on va essayer d'avoir des bons joueurs, ça, hein. Bon bah écoutez les gars, un bon milieu central pour l'épisode 2 de la vidéo spéciale 2000 abonnés. Donc on va le placer dans l'équipe active direct, hein, les gars, on va pas chercher à comprendre. On le remplacera si jamais on trouve mieux. J'espère trouver mieux parce que ça voudra dire qu'on a fait un très mauvais pack opening. Je sais pas pourquoi j'ai mis dans les remplaçants, mais c'est pas grave. Donc c'est la première fois que je fais ça. Alors il y a des youtubeurs qui le font. Ouvrir des packs et puis ensuite faire un match avec les joueurs qu'on a eu dans les packs. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais pas forcément jouer en 4-4-2. Je vais voir ensuite pour la prochaine vidéo. On va voir. Je vais voir, écoutez les gars, lesquels joueurs que je garde et lesquels joueurs que je ne garde pas. Et surtout la bonne formation pour avoir une bonne entente. Donc Abiati dans les goals, j'espère trouver mieux. 8 sel, c'est vraiment pas mal. Après les gars, on va peut-être jouer sur l'entente. Alors par contre, Luis Fabiano, non, on va jeter le reste. Gardien, ouais, il est moins bon. Nessid, ouais. Ouais, bah... je vais peut-être garder le gardien là, si jamais on a une défense brésilienne, ça pourrait faire de l'entente. Allez, on va jeter tout le reste. Après, j'ouvrirai des packs normales, tout simplement, parce que j'ai besoin de contrats, les gars. Et puis là, on a une limite de 5. On a une limite de 5, donc là, il nous en reste plus que 4. Allez, s'il vous plaît, je veux juste un joueur boost. Diego, les gars. Alors, voyons voir ça. Honda qui est très très bon, j'aime bien ce petit défenseur. Qu'est-ce que je chante? C'est un petit technicien, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Enfin, technicien, il a que 3 étoiles, je viens de voir, mais c'est... ouais, bon. J'aime bien. Alors, par contre, il n'y a pas grand-chose à garder. On va garder Diego. On va garder Diego, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de 2000 abonnés vous plaira. C'est la première fois que je fais une vidéo spéciale. Parce que, tout simplement, pour les 1000 abonnés, j'étais en vacances. Et puis, ça allait tellement vite que je me suis dit que ça sert à rien de faire une vidéo spéciale 1000 abonnés. Et là, bah, on se retrouve donc pour une vidéo... 2000 abonnés. Alors là, juste comme ça, je fais juste une petite parenthèse. Je pense que j'ai DMC, enfin Honda et l'autre, ils sont bien pour Stalker. Attendez les gars, je vais garder Stalker, on sait jamais.
J'ai des bons milieux centrales qui ont pourquoi pas une entente. On pourra voir tout ça après. Allez, c'est parti, on va vaquer tout ça. Donc voilà, donc mes projets pour la chaîne pour augmenter, et puis pourquoi pas se retrouver un jour pour une vidéo de 3000, voire 10 000 abonnés. Écoutez les gars, j'espère bien. Déjà, c'est changer de micro. je vais changer de micro. Continuer sur FIFA, même si en ce moment, ça me saoule grave, les serveriers me saoulent. Ah, Sagbo, Yannis Sagbo, écoutez, je suis bien content de l'avoir. Je l'ai vu dans une vidéo, il me paraissait vraiment beau. Donc voilà, bon, on va le garder. Alors ouais, donc j'espère vraiment vous retrouver un jour pour des vidéos 10 000 abonnés. Donc mes projets sont quoi? Bon bah ça va être pareil, jouer le Tour de France, toujours et encore les gars, je sais que vous aimez bien. Les vidéos sur FIFA, donc pourquoi peut-être plus de pack opening. Surtout sur FIFA 14, hein, évidemment FIFA 14 que j'attends. J'espère que je vais dépasser les 3000 abonnés d'ici là. Hein, en tout cas, j'espère que vous me le souhaitiez. Et voilà, d'ailleurs là j'ai eu 3 buteurs quoi. Ouais. Alors j'aimerais bien trouver des défenseurs centrales assez rapides quand même. Alors Gago, non, Barnetta, non, Roziski, non. Les gars, on va vaquer tout ça. Eh non. Ah non. J'ai pas eu un seul bon joueur quand même, les gars. Là, on a déjà ouvert 3 packs, on n'a pas eu un seul bon joueur. Donc j'espère vraiment trouver du lourd. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Allez, Auxel. Il est pour toi, ce pack. Samuel. Bon, c'est un défenseur central. Ouais. Alors, voyons voir tout ça. Défenseur central. Bon, bah, on va mettre Samuel pour l'instant. 87 de défense. Un très très bon défenseur, les gars. Un très très bon défenseur. En plus, il est relié avec Abiati. Non, là, franchement, pour l'instant, on est pas mal. Même si j'ai pas eu de gros joueurs, les gars, on va pas se le cacher. Gignac. Ah, Gignac, allez, on va le mettre dans les remplaçants parce que bon, Gignac, c'est Gignac, les gars. En ce moment, avec l'OM, ça roule plutôt pas mal. Allez, un petit. Non, j'ai dit un petit kebab, mais non, je suis pour Gignac, les gars. 5 étoiles, mauvais pied, 4 étoiles, geste technique. Bah, écoutez, on va garder, hein. Pourquoi pas faire des petites folies avec lui. En remplaçant, hein, parce que bon, on va pas s'enflammer tout de suite. J'espère vraiment avoir du plus lourd. Bon, les restes. Écoutez, les gars, je vais vaquer. Allez, pour l'instant, on n'a pas eu du lourd. Je suis un peu déçu. Il nous reste quoi? Il nous reste un pack comme ça. Et c'est vrai que les points FIFA diminuent drôlement vite. Allez, s'il vous plaît. Archavin. Alors là, je crois que c'est du foutage de gueule. C'est pas possible. J'ai pas un seul bon joueur. Charlene Zobia, pas mal. Rafita, défenseur droit, ok. Ricardo Carvalho, non merci. Maxwell, j'espère trouver mieux. Ah, Gamberini, écoutez les gars, c'est nickel. Gamberini, alors là, comment on va faire? Placer dans l'équipe active et lui envoyer vers pile d'échange, les gars. On va faire comme ça. Eh ben écoutez, les gars, on a une petite belle défense, hein, j'ai envie de vous dire. On a une petite belle défense Serie A avec un gardien Serie A. Bon, pour l'instant, ça peut le faire. Un défenseur droit, pour l'instant, on va le mettre dans la réserve si jamais je trouve pas mieux. On a 2 ailiers gauche, par contre, ça c'est un peu dommage parce que j'ai 2 bons ailiers gauche. Je pense que je vais garder Engzobia. Ah, voilà. Alors, nickel. Donc, franchement, en vidéo 2000 abonnés, les gars, je voyais pas autre chose que ça possible à vous présenter, tout simplement parce que je sais que vous adorez ça. Donc pour l'instant les gars on est là, on est présent avec un petit gouffrant dans les remplaçants. Défenseur gauche, je vais peut-être garder Maxwell, on sait jamais, si jamais je trouve pas mieux. Allez. Ouais pour l'instant c'est pas mal. J'ai pas eu un gros joueur à vendre cher, c'est dommage. Alors je garde juste Archavin et je pense que je vais vendre le reste. Archavin, écoutez les gars, qui était avant mon joueur préféré pour ceux qui veulent savoir. Il est juste énorme ce joueur. Bon, maintenant, je crois même qu'il... Non, bah écoutez, maintenant on le voit pas si souvent que ça. C'est un peu dommage, c'est un gâchis, je trouve. Il a lui-même, je trouve, ruiné sa carrière en jouant un peu, en se la jouant facile. C'est un peu dommage, mais bon. Écoutez les gars, on peut rien y faire. Donc là, on va passer sur des packs normales. Destro. Bon, bah écoutez les gars, je crois que même les derniers packs opening, c'était pas ça. Et là, je crois que ça continue dans la malchance.
Non, bon, bah écoutez, je garde rien, je garde vite fait les contrats parce que j'ai plus rien. Allez, les contrats vite fait. Liste éléments 150, ça va partir comme du pain, béni. Allez. Allez les gars, il nous reste quelques packs, il nous en reste deux ou trois. Et puis on se retrouvera dans les prochains jours pour bah, le match, les gars, pour le match. Ouh, j'allais ouvrir avec mes crédits, j'allais faire le compte. Pour le match, les gars, on se retrouvera. Donc je pense que ça va être un match de Coupe Gold. Et puis on va essayer de faire quelque chose de pas mal. Alors que là, Landreau dans le but, mais honnêtement, Landreau, mais je m'en. Oh là 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 là. Bon, un défenseur droit un peu meilleur. Même si l'entente collective, ça sera pas ça. Ok. André Santos. Ah, il est reparti au Brésil. Tiens, je savais pas qu'il était parti d'Arsenal. Bon, écoutez, on va le mettre dans la team, on sait jamais. Non, même pas. Non, en fait, non, 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 non. On va pas s'enflammer comme ça. Je vais mettre Landreau, non. Lui, bah, écoutez, pour un défenseur droit, ouais, j'ai pas le choix, de toute façon. Allez, non, franchement, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on a une belle défense. Un milieu de terrain, je pense, solide avec Huitzel et Sahin ou Honda. Oh, Lugano. Non, merci, Lugano. Oh, j'allais jeter alors que j'ai pas pris les contrats qui sont très importants pour moi. Allez, c'est parti, on peut tout jeter. Ouais, quoique, non, écoutez, les gars, on va garder Beria, tout simplement, puisque c'est un ancien Messin. Pour ceux qui me demandent la question, bah oui, les gars, je viens de Metz. Donc, c'est dans le 57, en Lorraine. Metz qui bah, vont remonter en Ligue 2, hein, pour ce qui est du foot. Et puis, bah, Beria qui jouait avant, quand Metz, ils étaient encore en Ligue 1. Donc, si jamais ça pouvait nous porter chance, les gars, je serais pas contre. Allez, les gars, c'est parti pour un petit pack. Allez, Leandro de Damio. Écoutez-le, je crois que je l'ai à tous les packs opening, je l'ai. Adriano aussi. Je crois que c'est l'un des joueurs qu'on a le plus, les gars. Bon, bah, je garde rien, bien évidemment. Allez. Ah, j'ai pas de chance, les gars. J'ai vraiment pas de chance. Ça me fait chier de vous proposer ça pour les 2000 abonnés. Mais bon, on n'a pas le choix. 4, 3, 1, 2, on va lister l'élément. 950 000. C'est parti. Et non, mais sans déconner, j'ai fait un pack opening. J'ai mis 20 euros. Et j'ai pas un seul bon joueur potable, quoi. Je me serais fait quoi dans le pack opening? Je me serais peut-être fait 20 000 crédits. Donc c'est vraiment pas bézef, hein. C'est vraiment pas bézef, c'est dommage, c'est dommage. Allez, Barros. Je suis plus un joueur pourri prêt. Eh ben écoutez les gars, là on n'a rien à garder puisque ah, j'ai vraiment pas de chance les gars, j'ai vraiment vraiment pas de chance. Allez. On va lister ça à 3000 les gars. Ah non, franchement, j'ai vraiment le seum là. Ouais. Ça m'a foutu un coup moral en plus de ça, en ce moment, je me fais voler pas mal de matchs. J'ai l'impression que EA est pas avec moi. Bah écoutez les gars, EA n'est pas avec moi aussi avec les packs. C'est depuis que j'ai acheté Messi, les gars. Franchement, j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai acheté Messi, j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. J'ai pas le temps de voir. Non, pas de joueur de la semaine. Et puis, les gars, pour vous dire, j'ai jamais eu. Oh, pas mal. Pas mal. Je sais pas si ça se vend, mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En plus, il y aura peut-être. Oui, je vais le garder. Je vais le garder. Je vais le garder. Nickel. Alors, ouais, de plus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, j'ai vraiment pas de chance. Alors en plus, si EA me pénalise avec ses packs, là j'ai mis n'importe où, mais franchement, j'ai vraiment pas de chance. J'ai même pas de milieu droit. Écoutez les gars, j'ai même pas de milieu droit. Alors lui, on sait jamais. On va le mettre là. C'est un défenseur central encore de Serie A. Si jamais j'ai personne à droite, je pense que je le ferai jouer lui. Non, non, même pas. Non, j'ai dit de la merde. Oh les gars, ça me fait chier. Ça me fait chier de vous proposer ça. Franchement. Bon, écoutez, les gars, si on a eu de la merde et que le dernier pack, on a Cristiano Ronaldo boost, hein, on va pas se plaindre. Ah, ça m'embête, ça m'embête. Allez, on vire tout ça. Et les gars, je crois bien que c'est le dernier pack. Non, même pas. Non, bah, ça va. Les gars, il nous reste deux packs. Deux packs pour nous faire rêver. Allez, c'est parti. Pandef. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai pas eu un joueur qui se vend au-dessus de 2000, quoi. Ouh, Rémi Cabella. Non mais écoutez, j'ai pas une place pour toi dans mon équipe, excuse-moi. Il joue lui, il joue à Genoa, donc on va garder. Il a l'air pas mal, il y a des stats assez équilibrées. On sait jamais les gars, on a pas mal de.
Ouais, alors écoutez les gars, je vais le remplacer par Sain parce que Sain il va pas du tout dans mon collectif. Liste élément, on va le faire partir à 150 pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Ouais, alors je pense que le collectif ne sera pas bien élevé, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dommage. On va mettre Rémi Cabella, on va peut-être ouais, on va le lister. On sait jamais, ça peut peut-être bien partir. Ah, je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. Puis grenier que je viens d'avoir. Allez, allez, il nous reste un pack. Il nous reste un pack. On va fermer les yeux, les gars, on se lève tous. On tourne le dos, je sais pas, on abaisse notre froc, on fait ce que vous voulez. Mais c'est parti, on regarde pas. Oh my god! J'ai eu que de la merde. Ah, écoutez les gars, j'ai eu vraiment que de la merde. Ah là là, ça me fait chier. Balestros, non, Fabio. Non, même pas. Ah, quoique Fabio, j'ai. Non, non, même pas Fabio. Non, bah écoutez les gars, je suis vraiment dégoûté. Lui, on va garder, on sait jamais, parce qu'on a des milieux centraux qui sont. Ouais, lui on va les. Non, lui on va mettre même vente rapide. On a des milieux centraux qui sont qui jouent dans le championnat de russe, donc pourquoi pas le faire jouer, on sait pas. Eh ben écoutez, le pack opening est fini, les gars. On n'aura pas touché un joueur de la semaine. On n'aura pas eu un seul bon joueur, c'est vraiment dommage. 4-3-2-1. Ouais, pas mal. On va conserver dans les consommables. Ouais. Bon bah écoutez les gars, on va voir ensemble ce qu'on a eu. On va essayer de former une petite équipe jolie. Mais je pense pas que je vais réussir à faire quelque chose de propre. Là, je vais laisser tout ça en 4-4-2. Mais je pense changer pour la prochaine vidéo. Donc on va se retrouver dans quelques jours pour les gars, pour le match. Puis on va voir ce que ça donne, écoutez, hein. Donc là, carrément, on a vraiment de la merde. Là, ok, on a là Abiati, l'assise de collectif, parce qu'il a pas le bon truc. Alors, attendez, on va faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. Non, en fait, il n'y a rien à faire. Alors, attendez. Honda, non. Je me suis trompé. Écoutez, excusez-moi. Ouais, bon, bah écoutez, les gars, ça va être vraiment compliqué. Là, il y a un Français. Non, bon, bah. Je crois qu'on va se laisser là-dessus. Peut-être mettre lui là. Je vais laisser Yannick Sagbo, en tout cas. Non, même pas. Non, bon. Ouais. Déjà, lui, il va jouer à droite. Ouais, bon, les gars, je pense que ça va être. On va laisser ça comme ça. Je ferai peut-être des changements. On verra tout ça. Donc, sur ce, c'est Angel Killer. Encore un big up à vous, les gars, pour les 2000 abonnés. Peut-être je vais en parler de mes projets un peu plus, les gars, pour le match. Simplement parce que là, c'est un pack opening. C'est un peu chaud de parler. Le commentary, d'ailleurs, est peut-être un peu moins bon que d'actu. Je tiens déjà à m'en excuser. Mais j'étais concentré pour essayer d'avoir des bons joueurs, même si c'est pas moi qui en décide, la preuve. Donc, EA nous a mis dans une belle merde. Je dois vous l'avouer, EA nous a mis dans une belle merde. Ouais, EA nous a mis vraiment dans une merde. Donc voilà. Donc sur ce, c'est Angel Killer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour le match. Allez, déboîtez-moi la boîte de gemmes. Sur ce, c'est Angel Killer. Ciao tout le monde!